kwa matokeo kwa muda kuhusu uchaguzi wa kiraisi pia bunge, tuatumaini na majimbo, ndio itakuwa zamu kwa wale ikiwa wa kandideti vyama vya kisiasa na miungano ya kisiasa kuweza hivi kuingiza barua ya malalamiko. Itakuwa ni baada ya siku mbili, ndio ulizo enza kuwa ni wanani ambao wanaweza hivi kuingiza barua ya malalamiko. Ni chama cha kisiasa, muungano wa kisiasa au kandideti wa kipekee, ilakini itakuwa malalamiko kutumwa kwenye vyumba vigani vya sheria. Korti kuu ya katiba itapokea malalamiko kuhusu uchaguzi wa kiraisi pia bunge, na korti ya wito itapokea malalamiko kuhusu uchaguzi wa jimbo. Ndio ni katika muda wa siku saba korti ya kikatiba kuweza hivi kutizama zaidi kuelekea uchaguzi wa kiraisi pia kuhusu uchaguzi wa bunge. Ni katika muda wa miezi miwili, yote hiyo ni mwendo wa operesheni kubwa. Baada ya kutangaziwa yote hiyo, itaweza hivi kusaidia mwishoni korti ya kikatiba kuweza hivi kuamua na kutangaza matokeo ya mwisho. Lakini hatujafika huko, tumeendelea hivi kuongojea seni kuweza hivi kuingia hapa katika daraza kubwa kwa ajili ya kuweza hivi kutangaza matokeo. Uchaguzi njia ya kawaida kwa ajili ya kukaza mwendo wa kazi ya kidemokrasia katika Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo. Tarehe 13 Desemba, wakongomani walikuwa wengi kwenye ofisi mbalimbali ya kura kwa ajili ya kuweza hivi kuchagua na kujulisha sauti yao. Ndio yote operesheni iliweza hivi kuendeshwa vizuri zaidi mbele ya mashuhuda, mbele ya watizamaji. Na operesheni iliendelea baada ya kuhesabu kura, ilitumwa kunako selser, ni vituo vikubwa vilivyohusika na kazi kwa ajili ya kukusanisha matokeo mbalimbali. Ndio sasa matokeo inafika kunako ofisi kubwa ya seni, ambako pia ofisi hiyo iliweza hivi kutizama na kuamua kweli kuangalia mambo yote. Ndio leo njo leo, leo magharibi seni itaweza hivi kutangaza matokeo kwa muda. Sisi yote tumeendelea hivi kuongojea presidenti wa seni Bwana Corneille Nangaa kuweza hivi kuingia hapa katika daraza kubwa pamoja na wanamemba wengine wa seni kwa ajili ya kuweza hivi kutujulisha hasa kuhusu uchaguzi wa kiraisi kati ya wakandideti 21 ambao waliweza hivi kupigania cheti cha kiraisi. Ni nani ambaye ataweza hivi kuchaguliwa kama vile rais Bwana Joel Lungenza? Oui, Dake Maomba, nous poursuivons notre veille électorale. Nous sommes déjà jeudi 10 janvier 2019. Nous continuons notre patience parce que bientôt le bureau de la CENI, juste après la plénière, va faire son entrée ici dans la salle Abbé Apollinaire Malou Malou pour nous donner la grande information, la grande communication qui est tout simplement la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Nous l'avons dit, après va venir la période des contentieux, s'il y en aura, s'il y aura des contestations, il y a des juridictions compétentes où les candidats ou leurs mandataires lésés pourront bien se présenter pour présenter leur dossier de contestation, et là, c'est à la Cour constitutionnelle de traiter ces cas de contestation à la fin, publier les résultats définitifs pour l'élection présidentielle d'Opes Kakouba. Merci Joël Lungenza. C'est vrai,
Les élections, c'est tout un processus pour en arriver. Il y a eu des conditions à remplir pour les électeurs et également pour les candidats, pour être électeur selon les articles 6 et 8 de la loi électorale. Il y a certaines conditions à remplir, telles que l'âge. Il faut être âgé de 18 ans ou encore 18 ans révolus. Et aussi, il y a des conditions d'éligibilité pour être candidat à l'élection, soit présidentielle, soit législative nationale, soit provinciale. Et ça, c'est selon l'article 9 de la loi électorale qui dit pour être candidat à une élection, il faut remplir les conditions suivantes. D'abord, il faut être des nationalités congolaises, avoir l'âge requis pour les types d'élections visées, jouir de tous ses droits civils et politiques et avoir également la qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature. Il faut également avoir un niveau d'études requis ou justifié d'une expérience professionnelle avérée dans plusieurs domaines, notamment dans les domaines politiques, dans les domaines administratifs, économiques ou encore sociaux, culturels. Aussi, Joël Lungenza, il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas postuler. Pourquoi? Parce que la loi leur interdit. Il y a des personnes qui ne peuvent pas aller dans un bureau de réception et des traitements des candidatures pour postuler à une certaine élection, c'est-à-dire les personnes qui sont par exemple privées de leurs droits civils et politiques à la suite d'une condamnation judiciaire devenue irrévocable. Les personnes condamnées par décision judiciaire pour crimes de guerre, crimes de génocide ou crimes contre l'humanité. Il y a également les fonctionnaires et agents de l'administration publique qui n'auront pas la preuve d'une demande de mise en disponibilité avant la date limite du dépôt des candidatures. Il y a également les magistrats qui n'ont pas donné la preuve à la date limite du dépôt des candidatures et également ne peuvent pas être candidats à une quelconque élection. Aussi, les membres des forces armées et de la police nationale congolaise qui n'auront pas donné la preuve à la date limite du dépôt des candidatures, ceux-là aussi ne peuvent pas être acceptés comme candidat président de la République, comme candidat député national ou comme candidat député provincial. Il y a également les membres du Conseil économique et social. Il y a également les membres de la Commission électorale nationale indépendante, c'est-à-dire tout le personnel de la CENI ne peut pas être candidat à une élection quelconque. Ça, c'est la loi qui interdit. Sinon, il y a des sanctions, Joël, comme vous avez dit au débat, qu'il y a des sanctions pour des gens qui ne vont pas se comporter selon la loi pour une quelconque étape de la synthèse de la loi électorale, Joël. Oui, Lopez, il y a également, nous allons parler de quelques infractions, les infractions que l'on peut commettre lorsqu'il s'agit d'une opération électorale. Nous ne parlerons pas de toutes les infractions, de quelques infractions. Il y a par exemple le cas de violation des bureaux de vote. C'est prévu dans l'article 79 dans les dispositions finales pénales de la loi électorale. Il y a les cas de la campagne électorale en dehors de la période légale, telle que la campagne électorale qui devait s'arrêter, vous continuez avec la campagne électorale, c'est une infraction. Mais il y a des obstructions ou entraves à l'exercice des manifestations publiques, destruction méchante et confiscation du matériel de vote. Ce sont des infractions. Et violation du secret de vote. Ça aussi, c'est une infraction. Le fait de voter plus d'une fois. Donc, vous êtes présenté dans un bureau et après, vous vous arrangez. De toutes les façons, les dispositions de la machine à voter ont été de sorte qu'on ne pouvait pas se présenter plus d'une fois devant une machine. D'abord, vous avez l'encre indélébile impérativement. Après le vote, on vous applique l'encre indélébile. Dans
l'un de vos doigts, et puis la machine sait reconnaître que telle personne, avec les empreintes digitales, effectivement, s'est déjà présentée quelque part pour voter. Le président, on peut dire que cette fois-ci, il y a eu ce grand étonnement de la population qui, pour la première fois, découvrait cette innovation congolaise. La machine a voté. Beaucoup de témoignages reçus. Donc, on parlait de. Je n'ai fait que 45 secondes pour, devant la machine pour voter, tout ça. Et cette machine avait beaucoup d'avantages. On sait que pendant les discussions politiciennes, les politiciens voulaient bien entendu se rassurer de la qualité, de l'inviolabilité de cet outil, de cet appareil. C'est pourquoi il y a eu autant de discussions. Nous le disons encore, c'est le jeu démocratique. Les gens doivent se retrouver devant l'évidence pour croire à un usage, et surtout que c'est un nouvel usage. C'était pour la première fois qu'on introduisait cet instrument dans le processus électoral en République démocratique du Congo. Alors on a tous découvert la machine à voter, tout au plus 45 secondes, bien, enfin une minute tout au plus, mais au moins chacun s'est retrouvé devant sa machine à voter. La machine à voter de Matete ne pouvait pas fonctionner à Lemba. Ne pouvait pas fonctionner à Lemba. Si vous prenez la machine qui est destinée à la ville de Tshikapa, vous l'amenez à Kikwit, cette machine ne fonctionne pas. Et il fallait aussi conditionner le bulletin de vote. Et vous avez, on se souviendra encore avec l'incendie qui a ravagé une bonne partie des machines. Lorsqu'on a remplacé, on devait commander des bulletins et les conditionner par rapport aux nouvelles machines. Ce qui a pris ce délai de 7 jours pour que enfin au 30 décembre qu'on puisse avoir les élections tant entendues. Donc je reviens sur quelques cas des infractions. Je parlais de la corruption active et passive, menace et voie de fait, violation du secret des professionnels, usage de boissons alcoolisées et de stupéfiants dans les bureaux de vote, tout ça. Et puis, faux usage de faux. Par exemple, imitation des signatures ou falsification des résultats. Ce sont là quelques infractions qui sont punissables par la loi. Il y en a d'autres. Ça, c'est au niveau du juridique, de l'organisation des élections. Et ce sont des éléments comme ça. On pourra aussi présenter un cas de contestations liées à tel ou tel fait, Lopez. Oui, Joël, vous avez tout à fait raison. Là, avant de parler des juridictions compétentes, parce que après la publication des résultats provisoires par la CENI, il y aura certainement des contestations. Il y aura des gens qui vont aller saisir la justice pour exprimer leur mécontentement, mais cela ne va pas se faire en désordre. Il y a différentes juridictions compétentes pour connaître les contentieux des élections. Il y a par exemple la Cour constitutionnelle, ça c'est simplement pour les élections présidentielles et législatives. Si vous voulez contester, vous êtes candidat président, vous êtes candidat député national, vous voulez contester, vous n'allez pas aller n'importe où pour aller porter plainte. Vous allez partir à la Cour constitutionnelle. Et la Cour administrative d'appel, ça c'est pour les élections provinciales. Un candidat député provincial ne peut pas aller contester à la Cour constitutionnelle. Là par contre, c'est pour les candidats présidents et également pour les candidats députés nationaux. Et pour les candidats députés provinciaux plutôt, et c'est à la Cour administrative. Il y a également les tribunaux administratifs. Les tribunaux administratifs, ça c'est pour les élections urbaines, communales et locales. Là, nous ne sommes pas encore arrivés. Ça sera sûrement dans le tout prochain mois. Et Joël, moi je voudrais dire ce que nous avions constaté le 30 décembre 2018. On a remarqué même les vieilles personnes, elles ont touché à la machine à voter. On a remarqué
qu'il y avait de personnes qui n'ont jamais vu cette machine, qui ont vu mais qui n'ont pas palpé plus de 2-3 fois. Mais ce jour-là, ces personnes ont voté sans problème. Et pour moi, quand je fais une analyse, je dis que c'est une machine d'une haute facture. C'est vraiment une innovation congolaise. C'est vraiment une haute technologie qui a permis à la RDC de voter calmement, facilement et rapidement. Et si je peux dire, c'est un système que les autres pays africains ont vraiment applaudi, surtout un autre point positif de ces élections du 30 novembre 2018, c'est que la RDC a financé les élections elle-même sans un appui étranger. Ça, c'est vraiment une sorte de démocratie pour les pays, surtout sur les plans mondial et continental. Lopez, nous parlons des élections historiques. Effectivement, c'est le fait qu'il faut également relever élections financées à 100% par la République démocratique du Congo. Nous avons eu à rencontrer des observateurs venus de l'Union africaine, de la SADC et tout ça. Et c'était pour eux une action d'admiration pour le peuple congolais. Pour une fois, dit vraiment ça, c'est un exemple à suivre pour le reste de l'Afrique. Une élection financée à 100% par le pays. En 2011 comme en 2006, il y avait des appuis, mais effectivement, la CENI l'a dit à plusieurs reprises, tout ce qui est promis n'est pas forcément donné. On peut vous promettre tel montant, mais quand on arrive au jour J, on voit que le montant n'arrive pas. Alors, le gouvernement congolais, que les observateurs ont félicité et encouragé, a pris des dispositions pour vraiment le financement des opérations électorales. On a vu l'achat des véhicules, on a vu également des aéronefs, les véhicules, l'armée a mis à la disposition de la CENI des véhicules, on a mis à la disposition de la CENI des avions et des hélicoptères. Ce n'est pas facile d'organiser les élections dans un pays qui a 2 345 000 km². Et les routes dans certains endroits sont vraiment à rechercher. Il faut des fois utiliser la pirogue, il faut des fois utiliser la moto, il faut des fois utiliser le vélo. Donc, tous les moyens ont été mobilisés, moyens de transport ont été mobilisés. L'avion a été utilisé, le bateau a été utilisé, le train a été utilisé, la route a été utilisée. Il fallait atteindre les endroits même les plus reculés ou les plus... Qui a une accessibilité très difficile. Vous savez, une bonne partie de la République démocratique du Congo se trouve aussi en pleine forêt. Il fallait pénétrer dans la profondeur de la forêt et trouver les circonscriptions qui sont là pour permettre à cette population d'exprimer son suffrage, de voter, d'exprimer son choix sur les dirigeants du pays. Nous passons à Nadine Toto pour un commentaire pour le Kikong. Matondo Mingi, Joël Lungenza, Botokena Vingila Kaka, Botokena Vingila, Tintangu, Ntodis Yeseni, Kebima, Bubu, Samna Fumoni Sabeto, Dizina, Tata Kiela Beto, Mamfula Kena Kuiza, Yakeleka, Kuponama, Yamfula Meluta, Yakele, Mutindu Musive, Naya Ilutaka, Mamfula Meluta, Pamba Ve. Yamvula meluta beto pona kamba la mosive kasi yamvula meluta ya 2018 beto pona kamba la mosi ntwadisi ke la beto mfumo isi beto pona kamba la mosi bantumo ya nkangu pe bantumo ya nkangu ya bizunga mvula meluta beto bakaka lusadiso katukaka na itia bantende somo na kutambusa mingi penza kupona maisi na beto kasi mvula yayi mbongo mebi manankele ya leta beto mosi ba congolais beto memo ni c'était beto kele na ngolo pe akusala yo mutindu ba ni c'est que salaka yau beto mosi beto bimisa kambongo na kela na beto sabu na kutambudisa kupona mayesi na beto pe meluta mbote mvula meluta beto pona kusalila baluka ya nene nene mpasi sabu na kumona dizina pe kifikula ya kandida kasi mvula yayi beto seni pizaka na mayele ya impa ya kusalila masimi ya kuponina. La chaleur qui a été mosi ya mbote, mais c'est dit ça bête au mingi dans tsungi ya kuponama.
bantubaiba monaka mpasi ve na kupona pe esalamaka mbote ya uyina ntangu bambangi ya mtoto Afrika ya CIRGL ya CIAC ya SADC ya Union Africaine bakwendaka bikala polo na bayo ya ntete na bantodisi ya CENI mingi penza na maboko ya mbuta Norbert basengezi kantitima bakondwa kafe kusemisa mutindo lutaka kupona ma le 30 décembre batumaka ya uti mambo yoso lutaka mbote ata komo volangani mwa ma yoyo lutaka kasiyo so lutaka mbote pe basemisaka machine ya voter bametubati bilumbu kena kuiza bake baka pe mayele ya machine ya sem na kunote ya una baisi ya nkaka sam kupona ma ya salama mbote acheleka bazo balo silaka bantodisi ya senibu mafumu na beto nkata ya forona kutubati matondo matondo yoso lutaka mbote bwabu batu kezaba dizina ya muntu kia la beto mingi penza mafula kena kuiza kasi baki natuba ya wana na franseti ya kele ba resulta provisoire nzoka ndeba ina yoso ke monati ba mezenga ba mambu na bao mbote vena seni balenda kwenda na ntwala ya bazuzi bosi ba kandida president ba yai ke monati ba mambu na bao yene kwenda mbote ve bake kwenda kisika nkaka ve bake kwenda na bazuzi ya cour constitutionnelle ba onde bake zenga ba mambu ya ba kandida president bosi ya metela mingi penza ba ntumwa ya nkangu ya bizyunga bake kwenda na cour d'administration na cour administrative d'appel bake kwenda kuna samba tala ba mambu na bawu bosi ba ntu mwato ba fumu ya babwa ba bela feti feti bake kwenda na tribunal administratif mezo na bandela jambu yai baina yoso ke monati ba mezinga mambu na bawu mbo tv mingi penza na seni bakele ba kandida na president pe ba député national balenda kwenda mingi penza na cour constitutionnelle kuna nde baketala ba mambu na bau samna bakandeke ya la beto mambula kena kuiza na insi na beto pe bantumwa ya nkangu bosi bantumwa ya nkangu ya bizyunga bafuwa na kwenda mingi penza kutabisa mambu na bau na cour administrative d'appel mutindu bake na tuba yahu na ndinga français bosi ntangu kesalama mingi penza kupona ma ya bafumu ya babwala ya babwala fiyoti fiyoti pe bakomini bake kwenda tabisa ba mambu na bau na tribunal d'administration kasi samu na mingi penza bantuke ba kandida ya president ba meno nina kita kifumu ya kutabisa insi na beto bake vonda kaka na bilumbu nsambodi ya mfimba samu batala ba mambu na bau mingi penza na bazuzi ya cour constitutionnelle bosi bantumo ya nkangu bantumwa ya bizyunga mafumu ya babwala babwala feti feti bake baka bangonda zole ya mpamba samuti basenga bamambu na bao milumbu kena kuiza RDC kevwanda na funu ya mfumu wa isi mosi kaka ya ikiyela isi na beto na mavula kena kuiza mingi penza na mavula tanu mutindu siku wa isi na beto kena tuba yao bosi bantumwa ya nkangu bake vwanda kama tanu ya mvimba kuzna zulu ya kama ve bake vwanda na asambe national bosi na bantumwa ya nkangwa bizyunga bake vwanda kitezo ya kama ntambodi na ndambu nde bake monisa bizyunga na insi na beto ya cheleka beto kena vingila kusala bisalu mutindu beto kena sala yau bilumbu lutaka na nor ubangi ya vondaka le 30 juillet 2016 ya vondaka kilumbu ya bandaka bisalo kusunikisa mazina to enrolement ya cheleka seni salaka pe bisalu ya kufemununa mikanda ya bakandida ya fondaka bakandida kitodisa insi na beto bakandida ya bizyonga pe bakandida mingi penza bantumo ya nkangu batalaka pe diambu ya revision afiche elektoral pamba ve bambuta politiki wa mwona kati ya ntama ya fondaka ya imbi ya fondaka ya kubola ya fondaka na kimbevo ina ba mona kati ya fona mbote ba tadidila ya mbote ba bongisa fiche elektoral pe ba salaka ya wesu kila kavana ve makelele bi makasama na masinya kuponi na nzoka ndeye ya fondaka kisa dulu ya mbote sadisaka abete sa mbote kuenda na kupona ma banzenzo ba mewese pula mingi na masini ina kasi beno za badia kati ya kele mbala ya tatu RDC tuabisa mingi penza kupona ma awa na insi na beto ya kele kidimbu ya demokrasi mpamba ve mvula lutaka ya vandaka kusalama ve ya vandaka kaka kandida mosi kandida mosi kasi bubu mfume si budila beto mielo beto mpesa beto ndinga sana beto tuba beto mwenisa ntatu ya nalusimu na beto
bilumbu lutaka mafula lutaka ya fondaka mingi peta mafunda zoe na sambanu betu todisaka kupona mayambala ntete na yambala zoe ya fondaka na mfula mafunda zoe na kumi na mosi ya fondaka kupona mayambala ya zole bosi mfula meluta ya fondaka kupona maya tatu mutimu sabisa rabenti ya kele diambu ya kele kidimbo demokrasi sa muna insi na beto beto kina tala kaka tangu kwa disi ya senike bima sa muna kumonisa beto mingi penza muntu ke simba insi na beto na mavula kena kuiza peba tangu kena kuiza bilumbu kena kuiza beto ke yeba beto keza badiaka bankumbu ya badepute na beto ke vanda mingi penza na asamble pe beto ke vanda pe beto keza ba pe badepute na beto badepute provincio ya kele kidimbu mosi ya mbote ya kele kidimbu ya mbote sa muna RDC beto ke na kufingila beto kele au wana inzo balukutakanu ya abe Apollinaire malumalu sali ya imefuluka na bamwangi sintangu ya vanda RDC pe ya banzenza baki na fingila ntangu mbuta ntwa disi ya senike bima sa muna kumonisa beto mingi penza mtu ke la beto bilumbu ke na kuiza mepesa ndinga na mpangi na mono Rachel Keta Tuasabdila wetu Nadine Toto, ni buchacha, buchalelu, mba kamula kamba, mbamuna mwajitungani, mbamba tungamenyi, mbi njila, mwaluba se kujiba janyi, munda ukunu butuku, ni tusosa, makumia bijini mwanda mtegeta, munu mwuchinanga chakinchasa, jiba, jijipi njewu, inera, mjiba dikila mwakulu wa falansa, kulusekalu wa chikapucha masamba, kwa mba kwa kwa kalombo, kujiba alombola kujiba marke manyanga ndambu na sha kumbu jumai wabalengela mkwa maswa kasai oriental kwa Alphonse Ngoi Kasanji njamomu wakabiji kuhulisa kwa kana ngamalangu ya shinga province wa Kasai Central kwa Deni Kamba Chimbumbu na shiku Kalemi kutanganika kujiba tulonda kujiben Katawa kujiba alombola kujiba muyejo mangezi mansa bawetu balonji bachoro chukulu mwepe usunu tulonda jaji kaibwase tujanu munu zubu wa bibilu mesho wa disangilu wa abe Apollinaire malumalu mbinjila nukweu korona inanga ulimika lafu mumu mbijiki wakasumbu kakesa kumekile nenda masungulangana seni mchukoso wikala ni wakubwela muna mwatusunsa tukesa tabade kudanza wakumwana mwako fatula jina jafumu mufya wikala mbakulujika jitunga za Congo Demokratika mbunyi babamfumu babiga na bifuragana mkwasa nafuka kumakumea biji ine umwa Nako balonji ba RTNC manya ibwase tiji tumunti satu cha masungulana di meka leze ka munda mwa tukata Congo Democratique meze nkwe u ni machine a jibaji kana tukanda a jibaji kwa sema machine a voter babuni ka manya mujumu wa mina machine a voter na sha kadi machine ya mambu shi bikola balu basse mutu su tukesa uju yusungulwe ba muntu wele ka kanda Yo tutagana da kana mushuji bika radi kengi bwa oh mina kadi mambu shika biji bena kasuma kesa komene na basungulana ndo kumona moku kwa ta mujumu wa kubajika tukandel kasuto lonso mona mama tuko chitemba chana na bulubulu mama na kushikisha mwinda mujumu wono nkwewu na kwawu tujano basomba binjila bwase ye yanga enda kona inanga kwalu bwase bambila mbufo bufo mukala mwe na bu ye yanga enda kujini buko keshi bwalu bwase kasuma kesa komene na basungulana Biko wikina kajima pesho buko keshi boku mwana moku kupatula bifeta da masulangana mungu jala mabonso mungu shudu jubika la bi kenge jibwa nanku baka mwaka mabonso mba tuilangana munu mungu wadi sangilu boku jadika wase ngani yudi mba kula nkwasa nkwasa mba mufila kana kujibabuni babuni mamane kimemeu kadi uji jadike ulu jakwamba mungu jikwaka sumaka seni kona inanga kuji ni cha kwamba kibaluka ni mwana tumera twa mundu wa blogujima tu tulanga na munu muzubu wa bisangelu wa abe Apollinaire malumalu kwa kumwana mwakuja jika ni kumanya menemena uji mu bakula mena kwa sewo nganyi hadi kwa bikala kukuji batu ontoloji badi mambo se bipeta kabi ene bia kane kabi kumi mshundu yu mbika tuka mshundu yu badi ni cha kunye mena kutu badi tuwa nikenji tujibu kwa sekur konstitusyonel kwa kanu nkwewu kikwala mbwa kushia abo mashinga ni malu mba kula shi kwa sekatu kubi mpani mbopo mandu mbulula ni mbanju kipa jini buku wakashi kwa kutate ni kutangila vya kane kwa shisha ni vikana mbwa kushia jika mpinje u ni kusuo mbesha mena mena ufumo wikala ni mbwa kupatuka bilo ni shila meyini vikandu
Congo démocratique et les bureaux de Mayne Mikandu, les Boulonga, Wakasumo, Kakesa, comme Mekela Nyanda, Yamasum Langana, Nakwaou, Balondi, RTLC, Nabéon Soyuz, Bekan Lutulanda, Chalaï, Djichi, Djikala, Zulula, Kajomba, Kenuka, RTLC, et Kajomba, Kendalou, Momo Mabloubushima, Momo Mabusha Djika, Nikoumani Menemena, Ujimikala, Muchumuna, Kwaseoun, Kweou, Wa. Bulombodi kwa chama cha Kongo Demokratiki wiki kala ni bakupi ngana Joseph Kabila Kabange ngani nangu lumu wa distance kamera mena njitu kidapo kwa di kwa njitu kwa Kongo Demokratiki bali kwa se tidi baba ngenda kwenda mushina udi ni chulumbu kampana ni kasanga ayiku tu badi ayiku funda kwa kulezi kwa se nembe chena muna ngadi libeta da kunyanga jimi pia jitu nga da kunyanga jimu jila abi nangu wa mbabi denga nangu seni nkayenda kiutu jimi njila mpinjo wakumwana wakukokola ni ukutu kumwangalaja ni kupatula muntu ya unu kwewu ujibu bende tuka angatua buni mungati kati mwavula mukola bana bajitu mba bila bajitu kwa chumu kuchindu chumo mba wase musangwewu ujibu kengene tusungula mfumu wikana mba kulujika ajetu ujitu nga na kwa u pamana kukwa temujumu mukola wakuyiku sungula chukwa nijiba cha kwa kijila bipeta ya masungula ya nyonu vika lebeza nchimana kukumbana na kwa u machie mdibangu uji unuvija mumokulu wa ningala nene bosu wa jivatulonda munda mwati mda kongo demokratika nujuku ekwater pilipili mabenge nujimu unumuchika kitu ya kincha sa londa hii mjimachia mdibangu unuvija mumokulu wa ningala ya solo rasheketa na kozelaka bilo aseni obokambemi wa kore nanga yobelo baigela au kati ya ndako ya makitanga nganzambe aporer malumalu tika to sosoli sabino lolenge Mwansu mazawe koleka awa, ipoye wa bapanzi sango Baike penza, bazwami, eza la boko banongi Bazali awa, bapanzi sango ya ekolo, wabiso Kongo Demokrati pe vikobi ya faya Bazwami apona mululu monene, mwankolo mwalelo Mululu moye, mwazawe kwa sangisa babota mabaso ba ekolo Kongo Demokrati Na kuziraka kweba, nani ona zali mwakambi ya bango Mwakambi ona zali kubimabe, onzela ya bilembo Bia maponomi, ma imasale maki L'équipe na mikomi ya botangi pe na mikolo libwa okati ekolo biso Kongo Demokratike na bakete temwa lisolo ezali ya bopesi matoni mingi na lingomba la seni pona nini ezali mbala ya mboseni eyingisi mayele masika maye biso baso tokotaki okati ya bilo mpona ntina kopono tokanisaki baike mwa miniti ekoleka mwa ngonge ekoleka onzela ya masini nzoka ndezaki miniti te soko koti pena seconde tuku mine na mitano soko mingi miniti be moko oponi bato basato oponi mokambi ekolo oponi mokelimi be kopona ekolo oponi mokelimi be kobavituka po sisi ngala sisi ayo obimi ezaki nango be eloko ya mokuse po lolenge ntango iso seni ezali kobisa biso te masini maye mazali be lokola imprimante mosala mango maza mobimisi nkasa pe maso tomonaki yango okotisi nkasa oponi nkasa ebimi okamati nkasa ayo ogumbi yango malamu na bokengi boso oke uchango na kati ya kitungo babenga izolwa na kati ya irne namba tu utaki na izolwa uchango sika na kati ya irne nenkasa ena seni etangaki ezere uti okati ya bituka biso eyei seni etangi pelelo seni ezali kuhibisa biso lolenge kani maso malekaki ndenge maponomi masalami okati ya bituka tukumi bale na motoba ezali benguma mokonzi Kinshasa te ezali tuka Kongo centralité Kasai orientalité kasi bituka tukumi bale na motoba biebiza kosala etando ya République démocratique du Congo yango nde pai wapi maponami masalemaki pe maponami mana lolenge masalemaki nde lelo seni ezali kosakola mpona koyeba na bituka tukumi bale na motoba nani abimboli bilembo biike na mokambi ya ekolo Kongo démocratique oyo nazali tata mokonzi ya ekolo ya baneko Kongo démocratique ye ona biso baso tozali kozela mpona koyeba ezala ngai ezala yo okososola yango mpo mbate RTNC ezali na bino mbala moko lolenge babengaka direct bozali kolanda mpona koyeba oeleko bilo ya seni obokambemi bwa mokambi ya bilo korne nanga bakoyingela mpe kozwa esika na ntina ya kozwa maloba maloba momo kopesa libaku mpo ete bosakoli bozala nde mango biso baso tozali awa okati ya ndako ya makita mpona kozela na base te mite mapio maso bokososola yango polele polele na etando ya RTNC
lolenge makamaza koleka akata to kwa makita nganga nzambe apone maluma tozena bino longo kino mululu moyemo kokoma osuka to kopesa bino bilembo biso bokolanda yango polele polele bokondeko je lungeza yo lubini ni pona bandeko yakota yali français. Voilà, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez partout, à travers le monde, à travers le Congo, nous poursuivons notre veillée électorale. Le bureau et les membres de la plénière sont encore en plénière délibérative. Alors, nous allons momentanément rendre l'antenne, le temps de permettre aux membres du bureau de boucler leur délibération et revenir ici, dans la salle Abbé Apollinaire Malou Malou, pour la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Nous rendons momentanément l'antenne. Bongi sakonga atani, ebongi to sala, ebongi to sala, moto nyoso atamu. Boyoka, boyoka, mujwe la nini? Tunae, toko la bokunzi, bokunzi zaya ngai. Toko tala, boni boye. Vous n'êtes pas parti politique. Vous n'êtes pas parti politique. Parti politique et basala kayango pona kojobo kondi pe koyangela yango. Kasi kojobo kondi wale sale makana maponomi. Na bitumbate mama présidente. Papa président. Esengeli bute akaba militant na bino. Civisme eni kolobanini bayangela ekolo lobi na ndenge ya kimya. Soki tozali na bolingo bwa ekolo esengeli toza na kimya ezali sika bitumbate. Yaya, Boma, tu tiens à la scène. Ah, tu tiens à la scène. 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 Tu t